Ok, salut Latius. En fait, c'est un peu bizarre que je fasse ça maintenant, mais on fait la pause dans mon corps maintenant. Donc, ce soir, j'aimerais juste parler de mes expériences ici au Québec. Surtout, avant mon arrivée, il y a certaines personnes qui me disaient toujours que j'allais pas m'améliorer, tout ça. Mais en fait, la clé de prendre une autre langue, c'est pas de vivre dans un autre pays. Mais ni prendre un corps. Et j'imagine qu'il y a ceux et celles qui pensent que c'est vrai, que ces choses vont vous aider et tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Surtout, la chose la plus importante, c'est votre détermination et motivation. Parce qu'il y a, si on cherche sur YouTube, il y a plein de gens qui avaient appris une autre langue sans bouger de la maison. Donc, la clé, c'est de parler oralement du premier jour. Et dans cette vidéo-là, je vais mettre quelques liens et informations pour vous aider avec vos six jours d'apprentissage d'autres langues. Donc, une autre chose de laquelle je voudrais faire un petit commentaire, c'est le fait que lorsqu'on est américain, ou probablement britannique, ou anglo-canadien, ou australien aussi, il y aurait toujours ceux et celles qui veulent vous parler en anglais. Et la raison pour ça, c'est que, bon, effectivement, dans beaucoup de pays, en fait, de parler bien l'anglais, c'est la clé d'un bon emploi et tout ça. Donc, il faut absolument éviter ça, parce qu'il y aurait ceux qui vous exploitent comme une source de leçon anglaise gratuite. Donc, je vois bien que vous insistez toujours que les gens parlent avec vous dans la langue de laquelle vous voulez apprendre. Donc, je vous laisse maintenant. Et je vais écrire quelques commentaires dans les informations de cette vidéo. Donc, voilà, effectivement, je suis juste un grand normal américain qui apprend le français depuis 2 ans. Mais en fait, j'ai pas envie de voyager dans un autre pays, sauf le Canada, actuellement, parce que je parle pas au niveau intermédiaire dans aucune autre langue. Donc, voilà, si vous avez des questions d'apprentissage de langue, laissez-moi un petit commentaire. Et voilà, je vous laisse maintenant. Ciao!